Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où ce que j'aimerais bien vous apprendre à faire aujourd'hui, c'est ceci. Un micro:bit ici, avec un board sur le côté, relié à un HC06. Un HC06, c'est ce petit embout ici, qui permet en fait de communiquer via du Bluetooth à un téléphone ou à un PC. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est mon téléphone, et quand je clique sur ce bouton, ça envoie une information sur mon téléphone. Si je clique ici, comme ceci, vous voyez, ça envoie aussi une information à mon téléphone. Pareil pour les autres, hein, ici, pop, 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 voilà, magnifique. Pareil si je clique sur le bouton ici du logo, on a des informations qui sont envoyées via le téléphone. Et inversement, si je clique ici sur un bouton, ça envoie des informations à mon micro:bit qui se trouve de l'autre côté et qui me renvoie l'information pour dire « Eh, c'est bon, j'ai bien reçu ». Vous voyez ici, tadaan ! C'est le genre de truc trop trop génial, donc l'atelier est sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que je fais cet atelier-là? Parce que l'HC06 est pas cher, très pratique, et permet de faire une connexion rapide sur un ordinateur. C'est très très pratique quand vous voulez créer vos propres inputs, ou que vous voulez contrôler une lumière ou un moteur à distance. Très 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 pratique. Donc une fois que vous savez faire de l'HC06, vous pouvez le faire pour l'Arduino, pour le Raspberry Pi, pour le micro:bit, c'est quelque chose d'assez commun en soi. Et alors, vu que la board que j'ai achetée est directement ici ce qu'il faut pour mettre le HC05, je me suis dit, oh, c'est parfait, je vais faire une vidéo sur le sujet, tellement c'est cool. Si vous n'avez pas un board et que vous n'avez pas ça, basiquement, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ceci, ce qu'on appelle un pont diviseur, un pont de voltage. Donc, en gros, l'idée, c'est que votre composant fonctionne sur du 5 volts, mais vos pins fonctionnent sur du 3 volts. Donc en gros, on va relier hop, le courant ici et le ground là-bas, mais on va relier le RX ici sur le 0 avec une résistance pour qu'une partie de l'électricité aille dans le ground et une autre sur notre pin. Donc basiquement, si jamais vous n'avez pas un board comme celui-ci qui coûte 10 €, il va falloir faire un petit peu de bricolage pour y arriver, mais largement, largement possible. Donc toutes les infos sont sur le guide, vous pouvez les chercher, de toute façon c'est le sujet de la vidéo. Ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé ces petits composants-ci. Ces petits composants-ci, comme vous pouvez voir, ils ont une petite plaque de métal et quand on touche la plaque de métal, ça fait une action. Donc en fait, c'est basé sur le fait de toucher. Basiquement, ce qui se passe ici, c'est que quand vous touchez la plaque, vous devenez une batterie électrique. Et donc en fait, ici, la capacité des électrons change et cet appareil-là peut détecter qu'il y a eu un changement de la capacité électrique dans le câble. Et ce changement se transforme en un vrai ou en un zéro. Il y a moyen d'avoir un pourcentage, mais pas avec ce genre de composant. Ce genre de composant, il est fait exprès pour que dès qu'on touche, c'est bon. Ici, il existe deux types de plaques comme celle-ci que vous pouvez acheter sur Amazon. Il existe celle-ci et celle-ci. Alors, celle-ci, l'avantage, yup, c'est que elles envoient zéro quand elles ne sont pas touchées, c'est-à-dire elles n'envoient pas du courant tant qu'elles ne sont pas touchées, ce qui peut devenir problématique dans le cas où vous mettez sur la pin 5 et 11 du micro:bit. Mais c'est la même chose, à la différence qu'ici, il va falloir souder les pins, parce qu'ils n'ont pas soudé les pins à l'avance, et j'en ai pas trouvé, ou c'est soudé à l'avance. Vous pouvez faire acheter ce genre de truc. Ici, celle que j'ai à disposition et que j'ai hâte de vous montrer ici, c'est celle-ci. Celle-ci, en fait, c'est vous touchez la petite plaque de métal et ça devient un 0. Donc, en fait, ici, il envoie de l'électricité en high à la base. Donc, c'était un petit problème ici pour certaines de mes pins, mais voilà, ça marche. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous faites un projet de ce type-là, d'acheter et des bleus ici et des rouges, comme ça, vous avez les deux, et vous pouvez mettre en fonction des pins ici de ce côté-là. Je vous expliquerai un peu plus de détails par la suite. L'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime vraiment bien qui s'appelle le circuit sculpting. Et le circuit sculpting, en fait, c'est de prendre du laiton et de le souder ensemble pour que les circuits électriques que vous faites soient partie de l'œuvre. C'est-à-dire que là, c'est une œuvre d'art fonctionnelle. Je vous donne un exemple, voilà. Donc ça, c'est un circuit électrique qui est fonctionnel, ça affiche l'intensité du son, etc., etc. Il y a des choses un peu plus jolies comme ça qu'on peut mettre sur un mur avec plein de composants. Il y a des petits robots, des petits compteurs, des petits trucs sympathiques.
Il y a des vidéos qui vous montrent un peu comment ils font ça, où ils prennent le temps de se dire, ok, bah vous faites ça, puis vous faites ça, oui, vous faites ça. Et il y a des vidéos tutoriels où basiquement on vous montre juste le début avec un petit peu de laiton, un petit peu de soudure, on colle deux, trois éléments ensemble, une petite résistance, un petit composant, et boum, on a un circuit électrique. J'adore ce genre de sujet. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet atelier-ci autour de ces composants-ci, plutôt que des boutons classiques tels que celui-ci. Pom pom pom. Est-ce que vous pourriez utiliser des boutons comme celui-ci, où il suffit de cliquer? Vous pourriez utiliser des boutons comme celui-ci, qui sont des boutons d'arcade. Vous pourriez utiliser plein d'autres types de boutons. Je regarde si j'en ai à disposition pas loin. Voilà. Donc on a des boutons noirs. On a des cherry picking, où l'idée c'est juste de relier les deux câbles ici, qui sont derrière le cherry picking. On a des boutons comme ceci, où il suffit de cliquer ici, vous voyez. On a des boutons comme ceci, où en fait ici ça va permettre de détecter qu'un objet vient toucher la chose. Donc il y a plein de types de boutons. Basiquement, il y a une grande liste de boutons. C'est un autre sujet. Nous, ce qu'on va essayer d'utiliser ici en l'occurrence, c'est juste le fait de toucher. Alors, et le fait de toucher va nous donner du coup accès à la capacité de faire ce genre de création. Donc ça ressemble à ça. Donc ça vous coûterait, si vous voulez faire ce genre de projet, 16 euros en gros. Et alors l'idée ici, c'est que si vous voulez faire ce genre de projet, il vous faudra des câbles. Donc soit des câbles classiques, soit des câbles de copper. Le copper, c'est juste du cuivre, hein, qui va vous permettre en fait de faire des longs câbles qui traversent une pièce ou qui traversent un gros objet de plusieurs centimètres ou de plusieurs mètres. Parce que le but, c'est de faire passer du courant, et dès que vous allez toucher le câble et que ce câble va être raccordé à ceci ou à cela, et ben en fait on va avoir un vrai ou un zéro et donc un bouton. Ça, l'avantage, c'est que ça se met un peu partout facilement. Le désavantage, ben, c'est que ça se plie facilement et aussi que ça rouille facilement au toucher. Alors, il y a ce qu'on appelle des brass wire, donc du laiton. Le laiton, en fait, l'avantage, c'est qu'il est un tout petit peu plus solide, donc un peu plus malléable, un peu plus sculptable. Il reste soudable, parce qu'il faut trouver un métal qui soit et conducteur et qui soit soudable. Et c'est pas si cher que ça d'avoir une grosse bobine de laiton. Donc, du coup, moi, je vous conseille, dans le cas où vous voulez faire ce genre de projet, d'utiliser des câbles comme ça et des câbles comme ça. Super, super pratique. Et d'acheter une pince pour couper tout ça, évidemment. L'idée ici, c'est que il y a aussi une autre possibilité que d'utiliser du cuivre et du laiton, c'est d'utiliser ceci. Donc ça, c'est de la peinture conductrice, donc c'est de la peinture avec du graphène dedans, et ça va vous permettre de dessiner des circuits électriques et de faire passer du courant dedans. Vous pourriez faire des circuits électriques avec ça, mais le problème, c'est que ça a une mini-résistance, mais sur la longueur, ça devient vite cumulatif, donc du coup, c'est pas bien pour faire un circuit électrique. Mais par contre, pour faire un objet que l'on touche et qui fait des actions, c'est juste parfait. Dans le temps, un pot comme ça valait 50 euros, 60 euros, mais apparemment c'est devenu vraiment pas cher, c'est pour ça que j'en ai acheté pour faire des tests. C'est 13 euros une petite bouteille, franchement c'est passable. Si vous avez une imprimante 3D, surtout si vous avez une imprimante 3D à deux têtes, il y a aussi du PLA conducteur, donc ça c'est du plastique que vous pouvez fondre dans une imprimante 3D pour faire des boutons, pour faire des formes qui sont quand touchées, conductrice d'électricité. Donc vous prenez des passes croco, vous les reliez à votre dessin ou à votre PLA ou à votre circuit de métal, et vous retrouvez avec un bouton qu'on peut raccorder ici sur ce petit truc-là, et du coup s'en servir pour faire du jeu vidéo, des inputs ou des choses comme ça. Ou du son, des actions, des macros, etc. etc. C'est un peu ça l'idée, c'est dans cette direction-là que je vais partir dans ce workshop-ci. Et donc voilà un peu pour l'idée. Le projet le plus simple à faire, si vous voulez vraiment vous amuser sur ce sujet-là, c'est d'essayer de faire votre propre dancing pad ou DDR. Donc ce genre de plaque ici, voyez, où on peut jouer avec des jeux de flèches. L'idée ici, c'est que on a à disposition pas autant de pins qu'on voudrait sur un micro bit. Ici, j'ai réussi à mettre basiquement 7 petits bouts comme ça. Donc, on a 7 possibilités de conducteurs. Donc, si on voudrait faire un truc à deux joueurs comme celui-ci, on pourrait presque.
Il faudrait juste remplacer celui-ci par un capteur rouge et pas bleu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la pin 5 et la pin 11, donc celle qui se trouve ici et ici, la pin 5 et la pin 11, ça revient à pousser sur ces deux boutons-là. Et pousser sur ces deux boutons-là au démarrage, ça lance la configuration Bluetooth du micro:bit. Donc en fait, ça veut dire que pour pouvoir faire un projet avec WePad, il vous faudra donc 7 bleus et un rouge pour pouvoir arriver à faire ça. Maintenant, si vous voulez faire un truc qui a juste 6 pads pour un seul joueur, c'est à ce moment-là, vous avez largement ce qu'il faut pour le micro:bit. On verra ça dans le code plus tard. Le code est ici, je vous le montrerai. On verra ça dans le code plus tard. L'idée ici, c'est que si vous voulez faire ce genre de composants, vous pouvez acheter vos propres. Vous pouvez faire du PCB en ligne si vous avez les compétences pour faire des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, je vois pas pourquoi vous êtes dans mon tuto. Basiquement, vous en sortez très bien. Mais sachez que vous pouvez faire ce genre de truc. Ou vous pouvez faire du DIY. Par exemple, ici, il a mis des câbles ici un peu partout, des bouts de mousse, ce qui fait que quand on marche sur le pad, le câble finit par se toucher les uns les autres ici, et on se retrouve du coup avec une conduction électrique, ce qui fait qu'on a un DIY qui permet de marcher sur des dalles. Une autre méthode, alors je crois que c'est peut-être, il y a une autre technique où c'est un mousse qui, quand il est compressé, laisse passer plus d'électricité, donc c'est une résistance, c'est peut-être ça qu'il a fait, je ne saurais pas dire. Bon, lui, il a trouvé une technique que je trouve vraiment trop cool, que j'avais pas pensé, mais qui est vraiment vraiment trop cool. En fait, il a pris des plaques de bois comme ceci. Il a mis de l'aluminium en dessous, qu'il a relié au câble ici, comme vous pouvez voir. Et alors, moi, ce que j'avais pas pensé, mais qui est vraiment intelligent, c'est que si vous utilisez des plaques de bois et une plaque de bois ici, le fait de marcher dessus va plier la plaque de bois. Et comme ça a plié la plaque de bois, ça va venir toucher là en bas et vous allez pouvoir avoir un magnifique bouton. C'est le principe d'un bouton quand il est très volumineux. Et donc, du coup, je trouve l'idée excellemment bonne. Parce que du coup c'est facilement réparable et que la plaque de bois prendra quand même beaucoup de temps avant de se plier, et il y a peu de composants qui peuvent casser dans ce genre de projet. Donc c'est une autre méthode ici donc d'utiliser les petits trucs bleus que j'ai ici, parce que ici c'est juste un contact qui hein? J'allais dire c'est juste un contact qui s'ouvre et qui se ferme. Ouais, c'est juste un contact qui s'ouvre et qui se ferme, je crois. Attends. Ouais, c'est ça, c'est juste un contact qui s'ouvre et qui se ferme. Vous voyez que là on a un circuit électrique. Là, on a un deuxième, et donc en fait, quand il met ça, ça ferme le circuit. Donc, vous n'avez pas besoin de mon petit truc bleu. Vous n'avez pas besoin de ça si vous le faites comme ceci. Mais donc voilà, basiquement, il y a moyen de faire des trucs très 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 sympas, assez facilement. Alors, la deuxième partie de cet exercice, ça va être de parler un tout petit peu de ce petit composant HC06 et comment vous faites pour le connecter sur la borne. Et comment vous faites pour le connecter à cette application qui s'appelle Bluetooth électrique sur Android et qui permet en fait de faire des composants de contrôle et des terminaux pour pouvoir lire ce qui se passe. C'est pas nécessairement la meilleure des solutions si vous voulez faire des macros et des choses comme ça, mais par contre pour débugger ce truc et vérifier que tout fonctionne, ce logiciel est vraiment parfait. Donc j'en ferai une vidéo dédiée à ça juste après cette vidéo d'atelier. Bon, assez parlé. On va essayer d'aller un petit peu travailler. Donc je ferme tout ça. Youp, youp, youp. Voilà. Youp, youp, youp. Ça, on ferme. Voilà. Ici, je vais fermer ceci aussi parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Laissons-nous aller au travail. Alors, admettons que vous voulez faire ce que je viens de vous montrer ici. Premièrement, il vous faudra un micro:bit. Je vais aller un peu plus proche. Il vous faudra un micro:bit. Ouh, désolé. En bougeant le câble, il a redémarré. Il vous faudra un micro:bit comme ceci. Le connecter en Bluetooth. Et il vous faudra un board qui s'appelle un Key Eye Studio. Key Eye Studio. Ce board-là a l'avantage en fait d'avoir cette ligne noire et ligne rouge ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais zoomer. En fait, l'avantage de cette board ici, c'est que vous avez une ligne noire qui représente la fuite du courant électrique, une ligne rouge qui représente la venue du courant électrique et une ligne jaune qui représente le signal électrique qu'on va pouvoir utiliser pour détecter qu'il y a un bouton ouvert ou un bouton fermé. Et donc, c'est très très pratique. La plupart des composants fonctionnent avec 3 pins et les boutons fonctionnent avec 2 pins. Comme vous pouvez remarquer ici pour ce bouton-ci, ça c'est le bouton blanc.
Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est de ouvrir et de fermer le circuit entre le signal et le ground. S'il y a une fuite électrique, on peut la détecter ici. Et c'est comme ça qu'on va faire un bouton de type blanc. Ici, ça, ce bouton-là, c'est rien d'autre que deux câbles mis entre le noir et le jaune. Pratique, hein? Alors que les autres ici, les petits câbles que vous voyez ici, comme ceci, ils ont besoin du volt qui passe ici, comme vous pouvez voir au milieu, du ground qui va permettre de faire fuir l'électricité, et du 1 et des 0 où ils vont nous envoyer un signal disant hey, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe, donc je vais faire varier le courant vers le 1, vers il y a du voltage, ou vers le 0, vers il n'y a pas de voltage. Donc 0 ici, ça veut dire qu'on touche, en l'occurrence pour celle-ci, et 1, ça veut dire qu'on ne touche pas. Alors que la rouge, ça va être l'inverse. Ouais, voilà un peu l'idée niveau de à quoi ça ressemble électriquement. On peut remarquer ici que il y a une petite zone jaune ici. Cette zone jaune, elle a ici une toute petite puce qui, si on va la voir, je ne sais pas si vous allez voir, mais non, ce sera trop flou pour que vous arriviez à lire. Mais il est mis 220 de résistance ici. En fait, si vous mettez une résistance au bon endroit, vous pouvez transformer ce composant de 5 volts vers une sortie de 3,6 volts en faisant ce que je disais, de faire un pont, un bridge divider en voltage. Et donc, en fait, on va pouvoir avoir ici du volt, le courant qui passe, le G pour le ground qui est le courant qui fuit, et le RX et TRX pour dire on envoie des données ou on lit des données. Donc TX pour RX pour read et TX pour je sais plus quoi. Mais basiquement, on va pouvoir ici lire et écrire des données qu'on va envoyer sur la petite antenne Bluetooth qui ressemble à ceci, la chez eux aussi. Vous voyez, ça c'est l'antenne et ça c'est le composant qui va gérer l'envoi et la réception des données. Pratique, hein? Je vous montrerai dans l'autre vidéo comment on fait pour mettre ceci et le lier à votre téléphone. Pour le moment, on va s'arrêter là niveau de la vue du composant. Donc on a ceci qui est mis en place. Allons voir un peu niveau du code à quoi ça ressemble. Donc je bouge la vue, voilà, magnifique. Alors, la documentation est ici si vous la voulez. Et du coup, il y a le code, le guide, la vidéo, etc., etc. On va devoir apporter microbit pour dire hey, j'aimerais bien emporter la librairie du microbit qui se trouve là-bas. Et on va apporter une librairie qui s'appelle struct. Et struct, en fait, c'est une petite librairie de code qui permet de transformer des chiffres en des 1 et des 0, ce qu'on appelle des bytes, qu'on va pouvoir envoyer sur le réseau et récupérer plus loin. Donc sur le réseau, ici en l'occurrence sur le Bluetooth, la HC06 qui est là-bas, sur notre magnifique puce Bluetooth ici en dessous. Ok, donc ce qui se passe, c'est que on a besoin de toutes les petites pins. Les pins, c'est ces composants-là. On en a besoin de tous, toutes les petites barres là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tous ces petits trucs-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver l'écran. Cette partie ici au-dessus, on va la désactiver pour être sûr de ne pas l'utiliser. J'aimerais bien pouvoir désactiver ces deux boutons pour ne pas avoir de problème avec le Bluetooth au démarrage, mais c'est pas possible. C'est ce que je mets ici, attention. Simplement parce que en fait, quand vous démarrez, les boutons sont activés. Et donc du coup, en fait, si vous mettez du courant électrique sur ces boutons-là, eh ben pas de chance pour vous, mais ça va démarrer le Bluetooth. C'est ce qui se passait tantôt. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, si vous voulez, sur la chaîne YouTube et sur le Git. Mais basiquement, vous ne pouvez pas utiliser et la 5 et la 11 avec un composant bleu comme ceci. Sinon, ça va lancer le pairage Bluetooth quand vous démarrez l'appareil. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici, on désactive le rendu ici pour utiliser toutes les pins disponibles sur l'appareil. On va demander à la pin 2, celle qui est là-bas, d'être en capacitif. Capacitif, c'est-à-dire que je peux la toucher et ça va faire des actions. Donc ici, si je la touche, ça va faire des actions. C'est ça qu'on est en train de faire. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est un composant que vous achetez qui est un composant capacitif. Donc c'est la même idée entre ça et le petit logo que vous pouvez toucher ici sur les microbits. C'est le même principe. Donc ici, on dit que c'est ça qu'on veut sur la pin numéro 2, celle-ci. Et on veut la même chose sur le petit logo qui se trouve là-bas. Donc là, on veut que les deux soient en capacitif. Comme ça, on peut les utiliser. Le pin 3, le pin 4 et le pin 5, on va les mettre en ce qu'on appelle du pull-up.
Pull-up, c'est le fait de mettre une petite résistance. Pull-up résistor. Je regarde si l'image pourrait être plus parlant. Voilà, par exemple celui-là. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que niveau électrique, si vous faites passer le courant de l'Arduino directement vers la sortie électrique qui se trouve là-bas, vous pouvez cramer des composants parce que le courant pourrait passer trop vite dans votre circuit ici. Ça pourrait créer des problèmes. Et donc en fait, pour éviter de créer ce genre de choses vers le signal ici qui va nous permettre de lire les données, on va mettre une sorte de petite résistance ici qui va nous permettre de ne pas cramer tout l'ensemble du projet. Et donc en fait, cette petite résistance ici, bah, vous pouvez le faire dans la vraie vie sur une breadboard. Donc ici, vous dites, j'ai une sortie, j'ai une entrée électrique, et j'ai un signal qui est envoyé si on pousse sur le bouton. Donc on ferme le circuit, et ici, le courant va passer un petit peu là-dessus, on va pouvoir lire ce courant et savoir qu'il est activé. Et donc en fait, ça va permettre de bloquer l'avenue du courant qui est là-bas. Vous voyez que là, il y a le courant qui passe, là, il est bloqué par là, et du coup, il ne peut pas aller très vite. Donc, il va pas cramer quand il va revenir dans le truc ici, le truc jaune. Vous voyez un peu l'idée? Alors, ici, je crois qu'il a mis deux câbles pour savoir s'il y en a, pour vraiment avoir une. Est-ce que je suis rentré, est-ce que je suis sorti? Parce que normalement, il a besoin seulement d'un câble. Il a le courant qui vient là-bas, pouf, un câble qui vient là-bas, et celui qui sort vers le là-bas. Donc, le courant vient, pouf, il est ralenti, il se barre par là. Et alors, il y a certains courants qui vont remonter par ici. Une partie du courant qui va remonter par ici, et ça qu'on va lire. Ça, c'est ce qu'on appelle une résistance pull-up. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ça ressemble à ceci. On a notre entrée, on a le courant qui sort, le courant qui vient, et on a notre bouton ici. Ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est un bouton en pull-down. Pull-up, 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 pull-up. Pull down. Bon, tout ça pour dire, je vais pas vous essayer de vous perdre. Ici, ce qui se passe, c'est que dans votre Arduino, donc à l'intérieur de ce genre de composants, ici, il y a des petits composants électriques. Genre, ici, vous voyez que ça, par exemple, c'est une résistance, le tout petit truc là-bas. Et bien ici, à l'intérieur de ces circuits-là, qu'on voit à travers la peinture, tu vois, toutes les petits trucs à l'intérieur ici, qui sont dans la lumière, tous ces trucs-là, dedans, ben, il y a hop, des résistances. Et en fait, il y en a qui appartiennent, qui sont dans la puce du Raspberry Pi. Mais sauf que c'est pas dans celui-là. Enfin, ouais, désolé, je vulgarise, mais je dis des conneries. Basiquement, ça veut juste dire qu'une de ces petites résistances que je viens de vous montrer est présente dans le Raspberry Pi et qu'on l'active. Donc on dit, attention, je veux une résistance pour pouvoir transformer cette pin en une lecture d'un bouton qui ne va pas cramer ma board. Basiquement, c'est juste ça que ça veut dire, si je me trompe pas, parce que je vulgarise. Donc voilà, pin 1, on peut toucher, pin 3, pin logo, on peut toucher, pin 3, ça va se transformer en un bouton. Pin 5, 11, pareil, ça va devenir un bouton, mais là il faut faire attention de ne pas mettre au début de votre truc du courant, sinon ça fait du Bluetooth. Pin 12 et 16, on peut les utiliser. Il n'y a pas d'autres disponibles que je sache. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc du coup ici on est limité à ça. Donc pour le moment on n'a pas non plus énormément de lectures disponibles. Alors, il y en a un autre qui est aussi disponible, c'est l'analogique. En fait, la différence, c'est que on a analogique input. Graph, graph, graph. Log. S digital. Voilà. Hop. Ça,
C'est une donnée analogique. C'est une donnée qui varie en résistance. Elle peut monter, elle peut descendre, elle peut être intense, elle peut ne pas être intense. Ça, c'est une donnée qu'on appelle digitale. Donc analogique, c'est il y a une sorte de mesure, une sorte de pourcentage qu'on peut récupérer, qui va de 0 à 1024 généralement. Et value, c'est est-ce que le courant il est actif ou est-ce que le courant il est presque pas actif? Donc est-ce qu'on fait passer du courant ou est-ce qu'on fait pas passer du courant? Par exemple ici, courant, pas courant, courant, pas courant, courant, pas courant. Ici, c'est un peu de courant, beaucoup de courant, un peu moins de courant, un peu moins de courant. Vous voyez un peu l'idée? Donc du coup, on a deux types de données qui est lisible dans les Arduino et les Raspberry Pi. Par exemple, ici dans ce Arduino-ci, ça c'est des digitaux, donc digital, c'est des 1 et des 0, alors que ici on voit A, c'est de l'analogique. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 analogiques qui sont disponibles ici. On a du courant ici sur 5 volts et du courant sur 3 volts, on a du ground ici pour faire fuir le courant. Donc le courant vient d'ici et sort là-bas. Et ici, on a des données qu'on va pouvoir lire avec une certaine mesure, alors qu'ici, on a des données qui vont pouvoir être lues qu'en vrai ou en zéro, basiquement. Donc c'est la même chose pour notre microbit. Hein. Donc on a la même idée sur ce genre de composants. Hein. Ok, donc ici, on va dire que premièrement, on veut que ceci soit disponible en tant que bouton, mais on va aussi pouvoir lire les données. Ici, en tant que analogique. Ce qu'on va faire par la suite, mais il n'y a pas besoin de le setup sur du microbit. Sur ce truc-là, il n'y a pas besoin de le faire à l'avance. Donc on va le laisser là. Alors, le truc, c'est que cet appareil, on aimerait bien qu'il communique avec un autre appareil. Et quand on veut envoyer des informations d'un appareil à un autre, par exemple de mon microbit à mon ordinateur qui est ici, on peut utiliser deux composants. Ce composant-ci. Désolé, hop, hop. On peut utiliser ce genre de composant. Donc ça, c'est un HC05 qui permet d'envoyer des informations comme pour celui que j'allais vous montrer là. Hein. Vous voyez ici. Et on peut voir derrière si on arrive à le lire. Évidemment, vu qu'il est blanc, on voit rien. Ici, on peut lire en fait TXRX pour le fait d'envoyer les données et de les lire. Ground pour le courant, VC pour le courant électrique. Et qui est state ici, celui qui est au-dessus et qui est en dessous, c'est des données qui permettent de configurer son nom, son état, sa vitesse de transmission et tout. Donc ça, c'est des pins de contrôle qui vont permettre de paramétrer votre appareil. Mais quand vous l'utilisez, vous avez juste besoin des quatre qui sont là-bas. L'idée, c'est que ça, c'est quand c'est du Bluetooth. Mais quand vous voulez faire via un port USB soit un ordinateur, ça ressemble à ceci. On appelle ça un TTL. Un TTL, c'est ce truc-ci. Vous pouvez voir qu'on a la même chose ici, using TTL. On a du 5 volts. Hop, désolé. J'essaie de trouver le bon angle. On va peut-être essayer de changer l'angle de la caméra alors. Hein, on y était presque. Voilà, on a du 5 volts au-dessus, du 3 volts en deuxième, on a du TXRX juste en dessous, et on a du ground juste ici. Vous voyez ici, vous avez 5 volts, 3 volts, TXRX et du ground. Même principe donc, hein. On a ce petit truc-là si on veut faire de l'USB, et ce petit truc-là si on veut faire du Bluetooth. Si vous utilisez un microbit, nous n'avons que ARXTX. Donc on peut en utiliser qu'un seul. Mais si vous avez fait du Raspberry Pi, comme ceci, ce truc-là, qui est le même langage, ça reste du Python et ça reste la même idée, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs composants en même temps. Donc vous voyez que ici, c'est les deux sont sur le même. Donc ici, on a juste besoin de mettre ces câbles à ces endroits-là et on peut utiliser les deux en même temps. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc je ne vais pas trop me prolonger là-dessus, mais vous pouvez utiliser deux entrées pour discuter avec deux appareils en même temps sur le même Raspberry Pi. Alors, tout ça pour dire, ce que je viens de vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle du UART. UART, ici. Hop, comme ceci. Donc si vous allez regarder à UART, comme ceci, image,
Ça va ressembler à quelque chose de ce type-là. Hop, hop. Je regarde s'il y a des photos parlantes. Donc en gros, on va écrire de la donnée, sur un autre qui va lui lire la donnée. Et lui, il va écrire de la donnée, sur un autre qui lui va lire la donnée. Donc vous voyez que le TX va sur le RX, le TX va sur le RX. Donc il faut inverser les données quand vous communiquez entre deux appareils. Et donc cette communication, c'est ce qu'on appelle du UART. Et par exemple, voilà un exemple de un bouton, je clique, et on va envoyer sur le TX, ici sur le TX, sur le RX de l'autre. Est-ce qu'il a eu le 1 sur le 0 et le 1 sur le 0. Et donc en fait, les deux vont pouvoir communiquer ensemble via des signaux électriques. Ces signaux électriques, ça ressemble à ceci. Alors le truc, c'est que j'aimerais bien avoir juste l'image. Voilà. Ça ressemble à ceci. En fait, on a 0, il n'y a pas d'électricité. À 1, il y a l'électricité. Alors par contre, du coup, le gars, il n'a pas bien mis ses données ici. Ça correspond pas entre les deux ici. Mais basiquement, 0, c'est il n'y a pas de données. 1, c'est une donnée. Et en fait, on va pouvoir envoyer un signal comme ceci pour dire un byte, il y a un byte qui arrive, prends-le. Basiquement. Et je regarde s'il n'y a pas une autre photo. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça ressemble à ceci. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Tadam! Il y a plein de vidéos sur le sujet. Je ne vais pas trop me prolonger dessus parce que l'idée, ce n'est pas nécessairement de vouloir comprendre comment ça marche. C'est juste d'utiliser. Finalement, l'idée est très simple, hein. Vous inversez les deux câbles. Et vous envoyez des bytes d'information. Le reste, c'est les librairies qui vont le faire pour vous. C'est le code qui est disponible qui vont le faire pour vous. Donc, ici, pour pouvoir faire ça, on va devoir faire appel à la librairie de Microbit. Et on va lui dire, peux-tu me créer un objet UART? Donc, un petit bout de code qui va nous permettre de faire une communication entre les deux appareils. On veut l'initialiser. Et alors ici, vous devez donner plusieurs informations. Il y en a d'autres sur le côté ici que je pourrais mettre qui sont importantes, qui sont basiquement le... Ah, je vais vous montrer dans la doc UART. Ici, voilà, init. On a baud rate. Donc baud rate, c'est la vitesse à laquelle on veut envoyer les bits sur le câble. Le truc, c'est que si jamais vous envoyez... une vitesse trop grande, à ce moment-là, il peut y avoir des pertes de données. Et quand il y a des pertes de données, bah, il faut corriger la perte de données. Donc vous pouvez aller 2 à 3 fois plus vite en changeant ce nombre-là. Sauf qu'en fait, par exemple, en le mettant ici à ce nombre-là, donc ça c'est le nombre normalement qui est utilisé quand on veut aller vite. Le truc c'est que moi j'ai tendance à pas le faire parce que j'ai pas envie de créer des bugs dans mes programmes. Donc du coup, je vais à une vitesse un petit peu plus lente, mais je vais compresser mes données sur les bytes. Dans ce sens, je vais essayer d'utiliser chacun des bits que j'envoie. Donc ici, 960, c'est celui qui est par défaut pour les trucs Bluetooth, pour ceux-ci. Par défaut, les trucs Bluetooth comme ça, ils sont en 9600. Donc du coup, je vais rester en 9600. On a bits, c'est le nombre de bits qu'on veut utiliser pour envoyer des données. Ici, on va en utiliser 8. Parité, c'est comment est-ce qu'on les structure. Stop, c'est combien de bits on utilise pour stopper, pour dire que le message s'arrête. Et TXRX, c'est les deux pins qu'on va devoir utiliser. Donc ici, on dit notre vitesse, elle est de 960. Et les pins qu'on va utiliser, c'est la 1 pour TX et la pin 0 pour RX. En tout cas, sur la version 2 du Microbit, j'ai vérifié, ça marche. Donc voilà, comment vous pouvez être sûr que ça marche? L'idée, c'est que vous prenez votre appareil. Vous allez sur ce logiciel qui s'appelle Bluetooth électronique. Vous allez dans connecter, Bluetooth classique. Vous faites découvrir. Vous allez voir votre HC05 ici. Vous allez le pairer. Alors, moi, il est déjà pairé. Alors, je vais le retirer. Est-ce qu'on peut le retirer? Comment est-ce qu'on fait pour retirer un appareil? Il n'a pas mis l'option pour le retirer.
Basiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites pairer. Il va vous demander un mot de passe qui est souvent soit 4 fois 0, soit 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Une fois que c'est fait, il va apparaître là-bas. Une fois qu'il apparaît pas là-bas, vous pouvez cliquer dessus et faire je veux me connecter ici à cet appareil. Vous voyez que ici, on a la connexion directement à cet appareil ici, qui est le Microbit, parce que je l'ai pairé avec mon application Microbit sur Android. Mais je l'utilise pas parce que j'ai peur de faire des conneries. Donc ici, j'utilise mon HC05 qui est là-bas. D'accord? Je vais faire connecter. Voilà. Et là, on peut voir que mon téléphone est connecté à ce numéro qui représente l'ID de mon appareil ici, qui sera toujours le même, il ne va jamais changer celui-là. Donc je pourrais manuellement dire je me connecte directement à celui-là, mais là, j'ai dû le pairer d'abord. Une fois qu'on a fait ça, on dit qu'on est bon, on est connecté, et donc du coup, ici, je vais pouvoir faire run. Et vous allez pouvoir voir que si je clique sur un bouton, je reçois de la donnée. Ici. Et si je clique sur un bouton, j'envoie de la donnée. Basiquement, si je dois résumer grossièrement cette application-ci et de comment ça marche, prenez une case vide, prenez un bouton, voilà, Y, Y. Prenez un switch, vous prenez un comme ceci, prenez un pad. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des lettres. Vous voyez que ici, il va envoyer 1, 4, 3, 2. Ici, il va envoyer hop, 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 1, 4, 3, 2 aussi. Ici, il va envoyer des données de 0 à 10 avec un X et une virgule et un Y. Donc, il va envoyer des bouts de texte. Et ces bouts de texte, vous allez pouvoir les lire, les interpréter et faire des actions. Bon, ce qu'on a besoin ici, c'est d'un terminal pour voir ce qui se passe. Donc, on va prendre ceci. Comme ceci, voilà. Edit. Oh, désolé. Edit. Voilà. Une fois que vous avez fini d'éditer ça, et de dire ok c'est bon c'est ça que je veux. Par exemple ici c'est send et receive pour savoir faire la distinction ou les deux. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous sortez ici et vous faites run. Et vous avez ceci. Donc si je clique ici, ça envoie 60. Si je clique là-bas, c'est 20. Si je clique là-bas, c'est 10. Si je clique là, c'est D. Si je clique là, hop, ça envoie plein plein de données très rapidement. Si je clique là, c'est C ou C minuscule. Si je clique là, c'est 60. Vous voyez? Là, c'est 10, là, c'est 20. Vous voyez que, en fait, on peut envoyer plein d'informations et les réceptionner de l'autre côté. Donc là, je peux voir que ça marche vu que j'envoie et je reçois de la donnée. C'est bon, c'est magnifique. Donc si je clique ici sur mon bouton, tadaan! Donc là, c'est que c'est bon. C'est comme ça que j'arrive à savoir qu'est-ce que je dois mettre ici. Donc basiquement, si ça n'avait pas été ça, j'aurais fait 2 et j'aurais essayé avec 2, puis j'aurais essayé avec 3, puis j'aurais essayé avec d'autres. J'aurais d'abord été lire dans la doc, hein, évidemment, mais des fois il vous manque de la doc et donc vous faites juste aléatoirement jusqu'à ce que ça marche. Bon, ici j'attends un tout petit peu que l'initialisation soit faite, que tout soit bien configuré, et on peut enfin passer à la suite. Alors, chose importante, vous allez voir ici, je vais vous montrer, si je connecte mon Microbit à mon ordinateur, voilà, comme ceci. Vous pouvez voir que là, ça va être le texte affiché. Je vais relancer le code et le microbit. Voilà. Donc là, c'est lancé. On l'a pas vu. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Sauvegarder, envoyer. Est-ce que c'est parce qu'il est déjà connecté à l'appareil Bluetooth et que du coup je le reçois pas? En gros, ce qui se passe, ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que dès le moment, donc ça normalement ça aurait dû être affiché ici. On aurait dû voir ici Hello UART. Et en fait, dès le moment où on passe dans UART init, ça veut dire que ceci est initialisé. En fait, tous les prints vont être envoyés vers le UART. Bah oui, parce que ce qui nous permet de voir des choses ici, c'est la communication qui va entre cet appareil-là, mon ordinateur, donc le câble USB de mon ordinateur, hein, donc le câble qui est ici, USB-C ou USB classique. Donc ça va aller de là, de ce composant-là, à mon truc ici, qui va aller dans mon ordinateur. Donc en gros, si maintenant on arrête de l'envoyer là-bas
et qu'on l'envoie là-bas, ben, je ne peux plus l'afficher ici, basiquement. Et donc ici, je ne reçois plus de l'information. Normalement, celui-là, j'aurais dû le voir, mais parce que l'initialisation n'a pas été encore faite, donc il y a peut-être un truc que je ne comprends pas encore. Donc ça pour dire, le Hello Micro machin, il est envoyé sur mon appareil. Vous voulez la preuve? Regardez, hop, je viens ici. Je redémarre. Hop là. Et on peut voir qu'il a reçu une information. C'est évidemment qu'on montre les choses que ça ne fonctionne pas. Hein. On aurait dû voir le message ici, c'est pas grave, c'est la vie. Donc Hello Microbit aurait dû être affiché. Bon, tout ça pour dire. Print, faites gaffe que du coup vous ne pourrez plus l'utiliser une fois que vous avez votre HT06. On fait un petit tableau juste pour se souvenir de ce qu'on peut lire. On a la pin 2 et la pin 10 qui sont lisibles en tant que variables de 0 à 100, à 1024. Donc ils sont lisibles comme des valeurs. Et on a celles-ci qui sont lisibles comme des vraies ou des fausses, ce qu'on appelle des booléens. Le truc, c'est que le code que je vous montre ici, il n'est pas nécessairement idéal parce que, par exemple, vous voyez ceci, ici, si je pousse dessus, vous voyez que ça va générer. Attends, hop, hop, hop. Ça va générer des 1 et des 0. Donc là, c'est 0, il n'y a rien. 1, c'est, y a quelque chose. Mais vous voyez que. Ici, on a des A partout. Et les A partout, c'est les petits trucs bleus. Si je clique sur le truc bleu, ici, ça, c'est en analogique. Vous voyez que la donnée change. Celui-là, c'est un vrai ou un faux. Vous voyez qu'il est à 0 quand je le touche et il est à 1 quand je ne le touche pas. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose à aller changer de ce côté-là. Donc ici, il faudrait que je mette non pas false, mais true. Ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a changé le code ici. Soudainement, on a. Mais je ne l'ai pas utilisé, je crois. J'ai créé le tableau, mais je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas mis dedans. Je vérifie. Ouais, j'ai pas utilisé la version. Est-ce qu'on le fait maintenant vite fait? On pourrait le faire maintenant vite fait. Donc, if pinaverse. Ouais, mais ça va devenir problématique, ça va devenir dur. Parce qu'en gros, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir comparer le tableau à l'autre pour être sûr que ce soit le bon ordre, que ce soit le même ordre. On va le mettre en commentaire et on va changer cette technique-là. J'ai d'avoir une idée de comment je pouvais le faire. Voilà, en attendant. Ici, pour la pin inverse, ce qu'on va faire, c'est que on va pas le mettre. Mais si on veut vraiment le mettre. Yop. Pin. Inverse value égale à 0. Voilà. Et ici, on va dire inverse value égale true. Parce qu'en fait, ici, si on lit 0, ça va se transformer en un 1. Mais donc, du coup, si on le met à 1, il va se transformer en un 0. Ici, je vais mettre ceci pour dire que j'inverse toutes ces valeurs-là. Hop, 0 égale non inversé, 1 égale inverse. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est une solution pansement, mais ça devrait fonctionner en attendant. Donc, en gros, si je voulais que le 5 ici soit pas inversé, il faudrait que je fasse ceci, inverse value égale 0. Ici, je vais mettre ça à chacune des données. Voilà. Sauvegarder. On va pousser ça sur la machine. C'est en attendant de trouver une meilleure solution. Alors, voilà. Ce qui est temporaire et permanent, ceci dit. Donc ici, vous voyez que maintenant, on a des zéros partout.
Je clique sur mon truc ici et il va à 1. Ici, on a à 0. Je clique dessus, il va à 1. Tadam! Magnifique, hein? Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est la suite du code. On a une version qui permet d'afficher et on a une version qui est compressée en bytes. On va en parler un peu plus loin. Alors, tout, 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 tout. On en était où? On en était ici. Donc, on a des analogiques qu'on peut lire. On a des pins qu'on peut transformer en des 1 et des 0. En tout cas, lire en 1 et 0. Là, on avait le truc d'inverser, mais on va le virer. Voilà. Ça, c'est pour dire qu'on veut des zéros devant. En gros, ce qui se passe, comment est-ce que je fais pour savoir que ce qui suit ici, c'est des données? Et bien, en fait, ce que je fais, c'est que je fais 0, 0, 0 pour dire bah, la suite après ça va être des données. Je pourrais en utiliser qu'un, mais le problème, c'est que vu que mes données font 4 bytes, le problème, c'est que s'il y en a un qui produit 0, on a des problèmes. Donc ici, à moins que l'utilisateur ne mette 0, 0, 0, 0, 0, donc vraiment 0, on n'aura pas de problème. Et étant donné qu'il commence par 15, il sera jamais égal à 4 fois 0. Donc si je chope 4 fois 0 de suite, c'est que ce qui suit derrière, c'est une donnée de 4 bytes ou de 8 bytes. Et donc voilà un peu comment ça marche dans l'idée. Donc ici, est-ce qu'on veut commencer par 0? J'ai mis vrai. Comme ça, on peut le désactiver si on a besoin. Est-ce qu'on envoie du texte, c'est-à-dire est-ce qu'on envoie cette partie-là, bah là, ici, qui va permettre de débugger la situation? Est-ce qu'on envoie un integer en 4 bytes? Donc, est-ce qu'on envoie ce chiffre-là stocké sur 4 bytes? 1, 2, 3, sur 4, ouais, 4 bytes. C'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Il est où le quatrième? 1, 2, 3, 4, VHI. Il m'en manque un. Je sais pas pourquoi il m'en manque un, mais il m'en manque un. Mais basiquement, ici, on va dire qu'on va convertir en 4 bytes, qui sont en Little Endian, parce que moi, je fais du C-Sharp majoritairement, et que c'est du coup le format que j'ai adopté dès la base. C'est la façon dont les 4 bytes sont stockés pour stocker un entier. Ça que c'est compliqué, sachez que c'est ça. Le truc, c'est que moi, je fais des jeux vidéo multijoueurs. Donc, est-ce que ça, c'est le joueur 1, le joueur 2 ou le joueur 3? C'est pas facile à savoir. Donc, ce que je fais, c'est que je stocke 1 pour la valeur, un entier pour la valeur et un entier pour l'index, c'est-à-dire le joueur qui va jouer. Parce que c'est le 1, le 256, le 482, etc., etc. Donc ici, je donne un index en plus que je vais stocker sur un entier. Ça va donc prendre 4 bytes et ça va me donner 8 bytes. Donc est-ce que j'envoie le 4 bytes? Oui. Est-ce que j'envoie la version 8 bytes? Oui. Represent the user player ID you want him to have. Oui, donc ça c'est le. Si jamais on utilise un index devant l'entier, c'est quoi son nombre? Et j'ai mis 404 par défaut. Ok, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est on ne veut pas envoyer des données trop souvent. Parce qu'on ne veut pas que le truc Bluetooth soit saturé en messages. Qu'il y ait trop de messages qui passent. En plus, ça prend de l'électricité et ça fait mal à la tête aux gens qui sont sensibles aux ondes. Ça n'existe pas, mais il y en a quand même qui font comme si. Donc, basiquement, si vous êtes sensible aux ondes, ce serait con de vous spammer d'ondes. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire bah, si l'ancien et le nouveau est différent, on va envoyer un message. Donc, on commence notre boucle infinie et on dit bah, l'ancien, c'est celui qui est pour le moment. Comme ça, on va pouvoir comparer l'ancien et le nouveau juste après. Notre valeur de type entière, 2.int, c'est-à-dire de type, est égale à cette valeur-là. Alors, ce nombre-ci, vous pouvez le changer. Moi, ce qui se passe, c'est que ce nombre-là me permet de dire, voilà, je suis dans tel type de format, je suis sur un microbit. Par exemple, les gamepads, moi, je les écris avec un 18. Les boutons du gamepad avec un 17, les données en booléen avec un 16. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver une sorte de nomenclature de chiffres pour dire, bah voilà les données qui vont suivre. Donc ici, je dis, bah 15, ça va être des données du microbit que je t'envoie. Ça changera sûrement dans l'avenir, mais pour l'instant, j'ai mis à 15. Donc, on va avoir un 15 et on va utiliser tout ça pour envoyer des données sur les messages. Donc, dans ces 0 et ces 9, ici,
on va devoir les stocker dedans. Donc pour ça, il faut qu'on aille lire les données. Donc ici, si on veut lire la donnée du pin 10, donc celle qui se trouve ici, sur le côté, hop, 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 là-bas, qui est donc ici ce magnifique bouton-là, ici, hop, hop, hop. Vous voyez que quand je clique dessus, attendez, là il est à 0, là il est à 7, là il est à 0. Pas pourquoi des fois il réagit pas directement. Est-ce que c'est parce que je le tiens? Voilà. 0, 7, 0, 7. Donc vous voyez que c'est pas une donnée 0, 1. En fait, ce qui se passe ici, c'est parce qu'on lit la donnée analogique, donc l'espèce de courbe, et on la divise par 1023 et on la fait x9. Comme ça, on a un pourcentage de 0 à 9 en version entière. On va pouvoir stocker juste sur ce digit-là. Donc ici, je stocke cette donnée. Pour le moment, on a une valeur qui va de 0 à 9. Le logo, est-ce qu'il est touché? Donc est-ce qu'on touche ce truc-là? Donc vous voyez que ici, si je vais dans mon téléphone, je touche ceci. Vous voyez, et on voit le 1 et le 0. Vous voyez qu'il passe de 1 à 0, c'est parce que de manière par défaut, le logo, il n'est pas vraiment en continu. Il passe de vrai à faux. Donc on peut pas, on peut le détecter, mais quand vous le laissez enfoncer, ça va envoyer des messages à chaque fois. Il y a une autre manière de faire qui est de changer le senseur non pas en capacitif mais en résistif. Mais à ce moment-là, il faut que je touche et le logo et le sol et la sortie électrique et ça passe par mon corps. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc pour l'instant, on a juste mis ça. Donc on arrive à capter le est-ce qu'on touche le logo. Le pin numéro 2, c'est ce pin-là. Il est en mode touché pour le moment, capacitif. Donc on va pouvoir demander est-ce qu'il est touché? Et on va le transformer en un vrai ou un faux, en 0 ou en 1. Ici, on va du coup lire les données de toutes les petites pins qui sont là-bas, qui sont disponibles. Donc le pin 3, on le lit. Le pin 4, on le lit. Le pin 5, on le lit. Donc ici, on dit je chope la donnée. Si elle est à 1, elle va vouloir 1. Si elle est à. Alors, read data, faut que j'aille vérifier un truc. Toujours aller voir la doc. Read analog, c'est pour l'analogue. Nous, c'est pas l'analogue qu'on veut, c'est read classique, read digital. Donc 1, c'est s'il est en fond, si s'il est vrai. 0, c'est s'il est low, c'est bien ce que je disais. Donc en gros ici, s'il est à 0, ah oui, c'est parce que j'avais déjà inversé la donnée. Vu qu'on est avec des trucs bleus ici, en fait ce que j'avais mis c'est que si c'est égal à 0, bah on inverse la donnée, ça devient 1 ou ça devient 0. Qu'est-ce que je raconte? Low, pas enfoncé, égale 0. 1 égale à 1, donc j'avais déjà inversé la donnée. C'est quoi cette histoire? Read digital est-il égal à 0? Si oui, on veut que ce soit 1. Sinon, on veut que ce soit 0. Ah oui, bah oui. Ouais. Est-ce que c'est égal à 0? Si c'est 0, c'est qu'il n'y a rien dans. Bah non, c'est donc du coup là j'ai déjà inversé la donnée. Quoi, ce serait moi qui aurais écrit l'erreur à la base? Oh, non. Bon, de toute façon, dans tous les cas, il faut pouvoir inverser la donnée, donc on va mettre ça pour le moment ici. Mais basiquement, read digital, dans la théorie, si vous utilisez un bouton comme ceci, ok, 0 c'est quand il n'est pas enfoncé, et 1 c'est quand il est enfoncé, parce que 1 c'est quand on laisse passer le courant. Sauf que je me trompe peut-être. Bon, basiquement, il faut que j'aie regardé tout ça et que j'aie révisé le sujet.
Mais voilà, basiquement, on va lire la donnée ici, pour savoir si elle est lue ou pas. Mais a priori. Hello, en fait, c'est quand le courant part, et donc. Faut que je révise le sujet. Vous voyez que je me suis un peu fourvoyé sur le fait que je connaissais cette méthode, faut que je la regarde encore hors vidéo. Mais basiquement, ça va vous donner un 1 ou un 0, et vous allez pouvoir le transformer. Ici, on lit les données de chacune de ces pins. Magnifique. Maintenant qu'on a ces données qui valent 0 ou 1, et qui valent ici, par exemple, dans le cas du analogue de 0 à 9, faut que je les stocke dans mon entier, pour que je les compresse sur 4 bytes. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous écriviez ceci comme ceci, vous voyez, si j'écris par exemple pin 1 égale 1, comme ceci qu'on transmettrait via le Bluetooth ici, bah, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Okay? Admettons, je me dis non, mais j'ai juste besoin d'écrire P1. Bah, à ce moment-là, on a 1, 2 bytes. Sauf que vu qu'on a P1 et qu'on a plusieurs, on a P1, 1, pour dire pin 1, elle vaut 1 ou elle vaut 0, P2, 1, P3, 1, et vous voyez que ça prend déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bytes. D'accord? Parce qu'un caractère, ça représente un byte quand il est entre 0 et 255. Ça fait pas mal de bytes à envoyer, c'est pas énorme, mais il faut se rappeler que lui, il n'est pas très rapide, le Bluetooth. Donc l'idée ici, c'est que plutôt que d'envoyer plein plein de bytes, on va prendre un entier qui lui vaut 4 bytes au total, d'accord? Donc il ne fera pas plus de 4 bytes, et on va les stocker les données dans les données digitales, c'est-à-dire sur les nombres de ce byte, d'accord? On aurait pu les compresser encore plus en utilisant les bits. Donc ceci, ça c'est un byte. Hop. Ça c'est un bit, basiquement. Et donc l'idée ici c'est que j'aurais pu utiliser un bit, et donc dans un byte je peux stocker 8 bits. Donc basiquement ce que je suis en train de faire là, j'aurais pu le compresser dans un seul byte. Ce qui aurait donné du coup de 0 à 16 de valeur, enfin, de 0 à 255 de valeur. Et donc du coup ici, les trois premières auraient servi à stocker 8 bits. Donc on aurait de 0 à 250, on aurait 255 ici au maximum, mais on aurait stocké 8 bits. Donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça, si je voulais le compresser un peu, je pourrais le stocker juste dans ces trois valeurs-là, si on voulait le compresser un peu plus. Mais pour que ce soit plus facile à lire, nous, je l'ai stocké sur cette longueur-là. Donc le premier, on va prendre la valeur 9 et on va l'ajouter à ce nombre-là, ce qui va nous donner cette position-là. Ensuite, la valeur suivante, qui vaut 1 ou 0, on va la multiplier par 10 pour la stocker là. L'autre pareil, qui vaut 1 ou 0, on va la multiplier par 100 pour la stocker là, par 1000 pour la stocker là, par ceci pour la stocker là, ta 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 ta, et on se retrouve ici du coup à stocker toutes des valeurs sur ce nombre entier ici. Si jamais on veut stocker le logo, il nous reste plus de place. Donc à moins de compresser comme je vous expliquais, on va devoir la stocker, ce donnée de logo, quelque part. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté à la valeur, ce logo-là, donc multiplié par 10, ça veut dire ici. Donc en gros, lui, il voudra soit 0, soit 1, soit 2. Et donc, voilà un petit peu. On prend la valeur et on la stocke dans le current. Maintenant qu'on l'a stocké dans le current, on a la valeur qu'elle valait avant et la valeur qu'elle vaut maintenant. Donc on va comparer de savoir si celle d'actuelle est différente de celle d'avant. Et ça va me permettre de dire, bah oui, il y a eu un changement, donc on va pouvoir envoyer un message en ligne. Si l'utilisateur nous a demandé un debug visuel en texte, bah, en fait, on peut afficher analogue parce que ça me permettait de voir la donnée analogique, mais j'en ai plus besoin, donc je vais mettre en commentaire.
Mais on peut écrire int pour dire hey, je t'envoie un entier, et puis on met en string, c'est-à-dire en texte, la valeur numérique, et on va avoir ce magnifique nombre ici. Là-bas, ce truc-là. Ling, cette chose ici. Et donc, pratique. Pratique, pratique. Sauf que du coup, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bytes. Donc ça veut dire que d'envoyer ça, ça fait 14 bytes de long. Alors que d'envoyer ceci, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, ça fait 8 bytes. T'as les 4 zéros qui vont permettre de déclarer qu'il y a quelque chose qui arrive. Et puis t'as les 4 bytes qui suivent pour dire que c'est vrai, que la donnée est telle ou telle. Et alors ici. Donc là, ça fait 0000. Donc ça veut dire qui suit, c'est les données. Et puis là, on en a 8. Donc ici, je stocke le joueur et la donnée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc par exemple, ici, ça prend 12, 13 bytes, un truc comme ça, je ne sais plus combien. Ça va dépendre de si vous mettez du texte ici ou pas, etc. etc. Donc ça va prendre de la place. Alors qu'on pourrait le stocker sur 4. Vu que j'ai décidé de mettre des 0 devant, ça stocke sur 8. Et si je stockais le joueur en plus, ça stocke sur 11. 11, ça me paraît bizarre, ça devrait être 12. Donc ça pour dire, normalement, dans la théorie, c'est 8 à cause du 0 et 12 à cause du 0. Mais au moins, j'ai une donnée qui est constante. Faut savoir qu'à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'envoyais ceci à A pour dire que le bouton A est enfoncé. Presse. Puis j'envoyais à B pour dire que le bouton A est release. Hop, hop, hop. Puis vous faites AC égale bouton B presse. AD égale bouton B release. C'est ce qu'on appelle une table d'index. L'avantage d'une table d'index, c'est que vous pouvez stocker énormément de valeurs. Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous pourriez stocker, en fait, ici, 255 valeurs à côté, multiplié par 255 valeurs qui se trouvent là-bas. Donc on a 255 valeurs fois 255 valeurs. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment 255 valeurs, parce que quand vous écrivez sur le clavier, ici, attendez, hop, hop, hop. 1, 1, 1. 1, 1. Quand vous écrivez sur le clavier ici, d'accord? C'est plus facile d'écrire des lettres que d'écrire ceci sur un truc sur un téléphone. Tous ces caractères un peu spéciaux ici, ils sont pas faciles à écrire sur téléphone, ils prennent du temps. Donc généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis vous allez utiliser A, B, B, etc. jusqu'à Z, Z. Ce qui vous fait du coup 24 fois 2. 24 plus 24. Plus 10, ce qui vous fait un total de 48, 58 valeurs. Donc 58 fois 58, ça nous fait combien de possibilités ça? Ça fait 250 et quelque chose. Non, ça fait 2500. Donc ça nous fait 3364 possibilités de données. Donc en gros, ça veut dire que ici, si vous stockez les données de cette manière-là, avec juste des lettres et des chiffres, vous avez 58 fois 58 données, ce qui représente, du coup, j'ai déjà oublié, 2500 et plus variantes. D'accord? C'est une méthode de pouvoir stocker les données. Le truc, c'est que c'est bien beau et c'est bien cool, mais par exemple, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça marche super bien. L'idée, c'est que moi, je fais des entiers parce que ça va me permettre de stocker énormément de données comme je veux. Par exemple, ici, on peut mettre comme ceci 14
comme ceci, puis on fait 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, et ça devient un joystick. Maintenant, on peut faire 13, et puis on va mettre des données aléatoires, genre. Et en fait, ça peut être des informations précises qui sont sous ce format-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc en fait, on a le 13 qui est ici. Puis, donc toutes ces données qui sont de là, jusque plus ou moins ici, ces données-là, c'est ceci. Et donc en fait, là, on peut stocker, par exemple, sur le numéro 13, on peut stocker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26. Donc là, on a 26 vrais ou faux qu'on peut stocker sur ce chiffre-là. Vous voyez que à partir du moment où on veut stocker non pas une ou deux pins comme on est en train de faire ici, mais beaucoup de pins, des accéléromètres, un gyroscope et toutes les données de mesure, et ben en fait on va pouvoir avoir une grande variété de chiffres et de choses qui sont envoyées. C'est toujours faisable sur 2 bits. Hein. Donc en fait ici il y a de la perdition sur le fait d'utiliser ça. Mais c'est juste que ça, c'est plus facile à lire. Cette donnée-là, cette donnée ici. Est plus facile à lire humainement que d'avoir une donnée qui ressemblerait à ceci. Ok? Et donc du coup, c'est pour ça que dans cet exercice-ci, j'ai utilisé cette version-là. D'accord? Basiquement. C'est juste pour vous expliquer un petit peu. Ça, par exemple, c'est la version que j'utilise pour les joysticks. Donc, admettons que je veux envoyer un message à jeu vidéo que c'est un joystick. Et bien ici, je vais avoir le 18 qui dit c'est un joystick. C'est un gamepad. Pardon. Le 9-9, c'est pour le joystick horizontal gauche. Le 8-8, c'est pour le joystick vertical gauche. Le 7-7, c'est pour le joystick horizontal droite. Et le 6-6, c'est pour le joystick vertical droit. Voilà. Donc en fait, là, on peut stocker des données qui vont de 0 à 99, de 0 à 99, de 0 à 99, de 0 à 99, et qui vont nous permettre d'avoir du coup un moins 1 à 1, donc une donnée qui va aller de moins 1 à 1, qui est stockée là-dedans. Donc en gros, on va pouvoir faire une sorte de conversion et stocker dans 4 bytes 4 joysticks, donc 4 axes de joystick dans un seul entier, et donc dans 4 bytes. Vous voyez un peu l'idée? Trop, 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 trop pratique. Tellement pratique que quand vous voulez envoyer des notes de MIDI, d'accord? Les notes de MIDI, ça s'écrit comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc le MIDI. Donc ça, le MIDI, c'est des pianos, des notes de musique. En fait, on a le type de données. Ici. Puis on a data. 1 qui est en fait la donnée numéro 1, data 2 qui est la donnée numéro 2. Et donc par exemple, on va avoir note on, MIDI, note on. Puis ici, on va avoir 56 pour dire la note 56. Et puis ici, on va avoir 127 pour dire que la donnée, elle est fortement frappée. Donc on a yop, MIDI, note, un type, note, vélocité. Comme ceci. 127. Non, j'ai enlevé ça. Voilà, on a la note qui va de 0 à 127. On a la vélocité qui va de 0 à 127. Et on a le type de données qui est not on, not off. On a d'autres données. Mais par exemple, ici, on peut envoyer une donnée qui va être en format de 1 et de 0. On peut envoyer une donnée qui va être. Il y a une note qui suit et qui a sa vélocité. Ou il y a une note qui a arrêté d'émettre. Voici son ID et sa vélocité quand on a arrêté d'émettre. Basiquement. Pratique, hein?
Donc ça veut dire que ça, c'est stockable sur ce qu'on appelle 3 bytes. Donc mon entier ici, il stocke 1 byte de plus qui va me permettre de dire ceci est au gamepad, ceci est du MIDI, ceci est cela. Et puis on fait pareil, on stocke 3 données pour pouvoir stocker des informations. Donc sur 3 bytes, on peut stocker un clavier entier avec tous les contrôles et tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Ça pour dire, c'est un sujet un peu complexe quand on est débutant, mais c'est super intéressant. N'hésitez pas à regarder la structure d'une donnée MIDI. MIDI 1.0. Voilà, vous voyez, statut byte, on a des 1 et des 0. Data byte, c'est la donnée. Et la deuxième data byte. Ça ressemble à des choses comme ceci. Tadam! En soi, c'est super marrant. Il faut aller voir, c'est super intriguant, c'est super marrant. Et donc, voilà. Ah, c'est peut-être à ça qu'il sert le trou ici. Moi qui essaie de trouver un moyen de pouvoir être sûr de savoir si une donnée est une donnée, peut-être qu'ils utilisent ce byte-là justement pour dire que c'est une note MIDI et repérer l'endroit où se trouvent les 3 bytes. Faudrait y vérifier. En fait, j'ai jamais su pourquoi il gardait 0 ici, mais je crois que c'est sûrement pour lutter contre mon 0000. C'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être leur manière de ne pas devoir mettre le 0000 devant. Bon, tout ça pour dire, on s'en fout. C'était marrant, c'était chouette. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller à la suite. Donc, je récapitule. On lit les données. On les ajoute à une valeur entière. Une fois qu'on les a ajoutées en valeur entière, on compare si elles sont différentes. Si elles sont différentes, on les envoie en texte pour qu'on puisse débugger. Et on va les envoyer en format binaire, des 1 et des 0, pour ce qui correspond du chiffre, pour qu'on puisse sur l'ordinateur le déchiffrer. Comme ça, on le stocke sur 4 bytes au lieu d'avoir 12, 15, 20, 30 bytes. Ici, quand on veut stocker les données de manière binaire, les envoyer, c'est on dit UART, peux-tu écrire ces données binaires? Le B, c'est pour dire que c'est des données binaires derrière, donc c'est des 1 et des 0 qui vont suivre ici. Et il faut que je stocke en version Little Endian, qui est le format de données, Big Endian vs Little Endian. Voilà. Voilà. En fait, vous voyez que ici, si je veux stocker ce chiffre-là, je pourrais mettre le premier byte ici, puis là, puis là, puis là, ou je pourrais mettre ce byte là, ici, ce byte là, ici, ce byte là, ici, ou ce byte là, ici. Donc on a le sens de la lecture des bytes qui est différent selon la façon dont on le stocke. Donc on a 4 bytes, et on peut le stocker de manière différente. Pour pouvoir spécifier qu'on va de gauche à droite ou de droite à gauche, ici, on va dire qu'il est en Big Endian ou Little Endian. Le C-Sharp est en Little Endian et le Python, il est en Big Endian. Vous voyez qu'il y a deux concurrences au niveau des langages qu'on utilise. Moi, en C-Sharp dans Unity et Python en Python. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va simplement, quand on écrit notre truc ici, dire c'est bien en Little Endian. Donc on va dire que ça va dans ce sens-là. Pour savoir ce qu'il faut écrire ici, il faut demander à ChatGPT, lire la doc ou aller lire struct, essayer de savoir à l'avance. Ici, on dit qu'on a notre donnée qui est un integer, qui est un entier. Et en ayant donné ces deux données, il va nous convertir notre entier en des 1 et des 0. Ces 1 et 0, on va les écrire ici. On dit UART, peux-tu envoyer tous ces 1 et 0 vers l'autre ordinateur? Et c'est ça qui va permettre de les lire. Si jamais je veux envoyer que la donnée, j'envoie que la donnée, mais si je veux envoyer la donnée et le numéro du joueur, à ce moment-là, je peux envoyer 8 bytes. Ici, on peut voir que j'envoie le 00 pour dire la suite, il y a des données. Puis, je prends le struct et je dis compacte-moi tout ça en des 1 et des 0. Ça va être du Little Endian et il y aura deux entiers. Voilà le premier, voilà le deuxième. Peux-tu me les écrire sur sur la puce ici ou sur la puce là-bas si on avait utilisé cette puce là-bas. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on envoie. Alors ça, c'est comme ça qu'on envoie la donnée. Donc magnifique, là on a réussi à envoyer des données. Maintenant, si jamais on veut en lire,
Ce qui se passe, c'est que ça. Ah, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Je crois. Donc ça veut dire hey, je vais t'envoyer les données. Et ça veut dire hey, est-ce que récemment, dans ton buffer, donc dans les données qui sont reçues, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose que tu aurais reçu? Donc UART, peux-tu vérifier que récemment, tu as pas reçu quelque chose? Et dans Income, on va pouvoir dire UART, lis-moi ces données et tu me les stockes ici dans Income. Donc si tu as reçu quelque chose, tu le stockes là-bas. Alors il faut faire gaffe que quand c'est 1 byte, il n'y aura pas de problème. Mais quand c'est 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes ou un texte, soudainement ça peut poser problème parce que vous pouvez le lire au moment où il n'en a reçu que 2 mais où il était composé de 8. Donc dans la théorie, ce que vous devez faire, c'est les cumuler et chercher après quelque chose, par exemple ceci, pour dire c'est la fin de la ligne, ou chercher après un caractère spécial, genre ça ou ça, pour dire c'est bon, j'ai fini. Donc vous stockez tout ça jusqu'à ce que vous rencontriez ceci, ceci ou cela, dans le but de dire c'est bon, j'ai tout reçu. Et si je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez le faire. D'accord? Bon, ici, est-ce que leur librairie le fait déjà pour nous? Peut-être. Ici, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est faire read line, ici, pour dire, moi, je veux lire jusqu'à ce que je reçoive un backslash n. Comme ça, en fait, ça veut dire que le gars doit absolument terminer par un backslash n s'il veut l'envoyer. Mais par contre, si vous faites read line comme ceci, à ce moment-là, ici, dans vos boutons, il va falloir aller sur le bouton, l'éditer, et dire. Alors, est-ce qu'on doit faire le backslash n? Je crois pas que ça marchera. Normalement, on est censé dire que on veut mettre un backslash n, enfin un retour à la ligne. Je crois que c'est juste ça, voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a la lettre suivie du retour à la ligne. Si vous n'avez pas ça, il va se cumuler et ne pas être détecté parce qu'on lui a dit read line. Donc il attend qu'il y ait ceci. Donc le retour à la ligne là-bas. Je vous montre. Alors. Yeah. Comment est-ce qu'on fait pour dire enter? Ceci. Donc on est d'accord que celui-là que je viens de changer, je sais plus c'est lequel, c'est celui-là. Edit. Donc celui-là que j'ai changé, il est compatible, les autres ne le sont plus. Je vous montre. On envoie le code directement sur la machine. On revient ici. Magnifique. Je pousse sur ce bouton-là. Ah bah ça marche quand même. C'est pas logique, mais ça marche. Peut-être que lui, du coup, envoie directement un readline à la fin dans tous les cas. Ce qui serait possible. Ou est-ce que c'est parce qu'il attend le temps? Bon, c'est pas logique, ça aurait pas dû marcher. Mais ça a marché, mais ça aurait pas dû marcher. Vous voyez que ici on a mon backslash n qui se trouve là-bas. Donc là, moi, ce que j'aurais pu faire si je l'avais fait moi manuellement, c'est que j'aurais pu dire je lis tous les bytes jusqu'à ce que je trouve un backslash n, et quand je trouve un backslash n, c'est la fin de la ligne, donc je peux traiter les messages qui sont devant ceci. Vous voyez un peu l'idée? Bon, c'est un sujet qui n'est pas facile quand vous êtes débutant, de devoir gérer tout ça, mais au fur et à mesure des projets, vous allez vite voir que c'est très très logique. Il suffit juste d'avoir un séparateur à la fin qui dit bah voilà, mon message, je viens de le terminer. Et donc, si vous ne le faites pas, vous allez de toute façon vivre l'erreur d'avoir des messages qui sont coupés en plein de petits morceaux, quoi. Par exemple, vous allez envoyer un message comme ceci. Hello world. Sauf qu'en fait, vous allez recevoir comme ceci. Voilà. Vous allez recevoir une première partie, avoir un petit peu de délai, puis vous allez recevoir une deuxième partie, puis un petit peu de délai, et puis la troisième partie. Donc, pour être sûr de ne pas avoir ça, ce que vous allez faire, c'est backslash n ici. Et donc, en fait, vous allez dire, bah, je lis mon hello, poup, poup, je l'ajoute. Bon, il n'y a pas de backslash n, donc je continue à attendre. Je lis le hello, c'est bon, il n'y a pas de backslash n, donc je continue à attendre. Hop, j'attends, et ici, il y a un backslash n à la fin, donc c'est la fin du message, donc je peux faire quelque chose. Bon, il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet, parce que c'est trop compliqué comme ça à expliquer à la volée. Mais c'est ça l'idée ici, de ce côté-là. Wait for. Ok, une fois qu'on reçoit le message, on peut l'afficher. On aimerait bien l'afficher là, hein? Sauf qu'on peut pas. Parce que, en fait, quand on va faire print, bah, print, il va le renvoyer ici.
Ah bah oui, on a mis notre Bluetooth ici, donc au lieu d'être envoyé vers l'ordinateur, il va être envoyé vers là-bas. Et vu qu'il est renvoyé là-bas, c'est ça qu'on voit là-bas. Si jamais vous avez deux canaux UART, par exemple comme pour celui-ci, on peut avoir deux canaux UART. Vous voyez que j'en ai un qui est sur le 0 et le 1, et j'en ai un deuxième que je peux créer plus loin. Donc j'aurais pu envoyer des données là-bas. Et toujours avoir le 0 et le 1, et donc toujours avoir le câble USB ici. Donc si j'avais cette situation sur celui-ci où j'en ai que un seul là-bas qui était ajouté, j'aurais pu avoir quelque chose qui s'écrit comme ceci. Où en fait on affiche de la console ici le message et on envoie à UART1, celui-ci, les informations okidoki. Voyez un peu l'idée? Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un peu plus compliqué, donc la vidéo est déjà trop longue, je vais passer à la suite. Et donc voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre un petit peu pour pas spammer. Sauf qu'en fait, maintenant que j'ai fait un anti-spam ici, on n'est pas obligé d'attendre autant de temps. On peut littéralement ici attendre quelques millisecondes, genre 5 millisecondes. Et hop. Voilà. Donc ici, on lit en permanence les données. Et on envoie seulement celles qui sont nécessaires. Et voilà un peu l'idée. Magnifique, non? Et donc voilà, si vous cherchez cette application-là, il faut aller sur Google Play Store. Et vous pouvez chercher après Bluetooth électronique. Vous avez plein plein d'applications différentes. Nous, celle qu'on cherche est vraiment celle-ci. Bluetooth électronique. Qui ressemble à ça. Et ça vous permet de faire plein plein de choses et de voir plein plein de choses. Donc vous recevez du texte et vous pouvez les mettre en visuel ou vous pouvez mettre des sliders et influencer vos appareils. C'est vraiment vraiment trop 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 bien foutu ce truc. Je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est magique. Sauf que pour l'utiliser, il vous faut ce petit truc HC06, d'où cette vidéo où je vous montre comment ça marche. Ça marche aussi bien pour les Arduino que pour les Arduino, pour les Raspberry Pi, que pour tous les appareils, les Microbits. Donc c'est du UART hein, en Bluetooth, donc peu importe ce qu'il y a derrière, ça marchera. Et donc, voilà, voilà. D'ailleurs, c'est aussi utilisé pour configurer les appareils quand vous les branchez correctement, mais ça, c'est un autre sujet. Sur ce. Bah, je crois que je vais vous laisser. Cette vidéo-là parle de plus ou moins tous les sujets que je voulais parler. Donc voilà. Je récapitule très rapidement en me disant, ok, c'est bon. On prend les données, on dit bonjour, on désactive l'écran, on prépare les pins à recevoir des informations avec une petite résistance pour pas brûler notre appareil. Celles qui sont possibles, on les met en capacitif pour les toucher. Celles qui ne sont pas possibles, on les met en pull-up. On commence notre discussion avec le UART ici. Donc on dit n'envoie pas les données là-bas, mais envoyez-les là-bas, sur mon appareil ici. On dort un tout petit peu, juste le temps que ça se passe. On dit bonjour pour voir que ça marche, et on sait, on va le recevoir du coup ici. On stocke les données qui sont les pins analogiques juste pour qu'on puisse se souvenir de ce que c'était. D'accord? Si vous n'utilisez pas l'HC06 mais le truc USB ici, vous en avez deux de plus. Hein. Vous avez pin 1 et pin 0 qui fonctionnent aussi. On écrit celles qui sont en vrai ou en 1 ou en 0 juste pour se souvenir. On dit qu'on prépare, est-ce que l'utilisateur, donc ça c'est des options qui vous permettent d'activer et de désactiver si on veut envoyer du texte, si on veut des bytes ou e-bytes, etc., etc. On fait deux variables pour détecter les changements. On stocke la précédente, on crée la nouvelle en lisant les données, soit les touches, soit les analogiques, soit les 1 ou les 0. On les compresse si on veut les compresser, ce qu'on n'a pas fait nous. Nous, on les a compressés, mais de façon humainement lisible. On aurait pu les compresser de manière plus binaire, plus en format MIDI, par exemple. Une fois qu'on a stocké ces données-ci, on stocke la nouvelle en tant que c'est bon, on a notre nouvelle. On compare. S'il y a eu un changement, on décide d'envoyer un texte de debug, un texte compressé, les données compressées, et les données compressées avec l'ID du joueur, si on a mis un ID du joueur.
On vérifie que lui ne nous a pas envoyé des informations. S'il nous a envoyé des informations, on les reçoit. Ici, on ajoute notre code. On code. Et faire des actions. Action. Si on veut, on peut lui retourner la donnée pour lui dire « Hey, j'ai bien reçu ce que tu m'as envoyé. » Et on attend un tout petit peu pour pas spammer l'appareil. Voilà! Basiquement, c'est comme ça que vous pouvez faire ce genre de lecture sur des microbits et soudainement avoir un magnifique jeu de toucher. Alors, vous allez me dire « Oui, mais attends, il est où notre jeu là ?» Parce qu'il n'y en a pas ça. En fait, l'idée ici, c'est que cette plaque de métal, je vais peut-être terminer par ça en vous montrant un peu ça. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Vous voyez que ici, si je touche, la donnée devient un 1 ou un 0. D'accord ? Donc laissez-moi aller chercher mes appareils. Hop. Il faut ma bobine. Et il me faut des pinces croco. Les pinces croco, je les ai mis le jour où je les ai jetées là-bas. Hop là. Voilà. Il me faut ma bobine qui est. Je ne sais pas où je l'ai mis, c'est chiant ça. Bon, je vais prendre ça. Et alors là, et je regarde si c'est autre chose, mais je vais prendre ça aussi. Ok, et la bobine, je ne sais pas où elle est, donc pour l'instant, on va laisser tomber la bobine. Alors, on a de l'aluminium. On a des petits disques de métal qui ne sont pas utilisés pour ça, mais on va les utiliser. Et on a de la bobine à limaces. Ça, c'est un truc qui n'est pas très cher, qui sert à éloigner les limaces dans les jardins. D'accord ? Donc, l'idée ici, c'est que vous allez voir, je vais prendre ma bobine à limaces. Je vais la mettre ici en attendant. Voilà. Alors, on prend des pinces croco. Comme ceci. Je vais zoomer en grand. Attendez 2 secondes. Voilà. Un pop hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis ce code ici sur le code qu'on a fait ensemble, pardon, sur votre ordinateur. Sur votre téléphone, vu qu'on l'a connecté en Bluetooth, on devrait avoir des retours d'informations. Ici, vous voyez que j'ai mon magnifique truc à toucher, ici. Si je le touche, ça envoie de l'information. Donc ici, si je prends ma pince croco et que je fais ceci, je prends ma pince croco ici et que je touche, normalement, dans la théorie, évidemment, ça ne va pas le faire. Évidemment. On va essayer avec l'autre. Kiki. Échec critique. Ah, voilà. Vous voyez que là, je suis en train de toucher. Ici, il y a ça qui est là. Ah, c'est peut-être parce que ça touche le banc. Ou c'est peut-être parce que la pince touche pas. Ah, elle est en train de toucher la zone noire. Ah. Il va nous falloir un peu d'aluminium. Ou quelque chose de. Qui conduit l'électricité. Est-ce que je peux utiliser ça? Oui, je pourrais utiliser ça. Est-ce que j'ai de l'aluminium dans la pièce? Non, j'ai pas d'aluminium, donc je vais improviser.
comment rendre une vidéo beaucoup plus longue que prévu. Voilà. Là. Voilà. Donc là, normalement, il devrait y avoir contact entre l'aluminium et la chose. Est-ce que ça marche? Alors, ça devrait. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai ma passe croco qui touche le bout de métal. Ici, j'ai la passe croco ici. Je la touche. Alors, le problème, c'est que du coup, elle touche les autres et tout. C'est très sensible au fait de toucher les autres. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce que... Alors... 0. Enfin... J'ai aucune idée de pourquoi... Ça se laisse influencer. Est-ce que c'est parce que les autres touchent ou un truc dans le genre? Il faut vraiment pas que ça touche d'autres câbles que le sien, parce que ça se fait très vite affecter par les ondes des autres câbles, etc. Mais vous voyez que ici, magnifique, ça marche. Alors l'idée maintenant, c'est que si je lis ça à ceci, comme ceci, voilà. Vous voyez que ici, je lâche ça ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il... Il est à... là, pour le moment... Pas facile de ne rien toucher, en fait, et de ne pas être influencé par un autre. C'est vraiment la misère. Ok. Là, je ne touche rien. Ah merde, putain. Allez. Vous sentez la galère? Vous sentez la galère? Bon, c'est parce que je suis au milieu de ma caméra, entre tous les appareils et tout, que ça pose problème, hein. Mais basiquement, vous pouvez utiliser du truc à limace, qui en fait, ça va conduire à l'électricité, donc vous pouvez faire des circuits électriques que vous pouvez toucher très facilement. Vous pouvez brancher ça, donc dans la théorie, hein, parce que normalement ça marche, mais c'est juste que ici, dans la théorie, vous pouvez faire ceci. Du coup, vous touchez ici et c'est bon, donc dans la théorie. Parce que là, je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner et je suis en mode, bon ben, c'est pas de chance. Est-ce que si je fais ça comme ça, est-ce que ça va aider? Voilà. Non, ça va pas aider. The fuck? Est-ce que le... Je touche le métal. Vous voyez que, basiquement, dans l'idée, ça marche. Hein. Faut juste que je pratique un peu plus pour être sûr de bien comprendre comment faire une bonne connexion entre ça et ça. Dans l'idée, ça marche. L'idée, c'est que vous pouvez faire ceci, et alors vous pouvez, dans le cas où ça marche, parce que là, il faudrait des passes croco qui viennent vraiment tenir la zone et bien prendre une surface, on va dire. Dans l'idée où ça marche, vous pouvez faire ceci. Et soudainement, ça laisse passer l'électricité, donc ça devient théoriquement un bouton. Dans le cas où ça marcherait, ça devient théoriquement un bouton.
Yop, yop, yop. Voilà, on va l'enfoncer pour être sûr que... Frustration. Frustration. Ah, mais attends. Voilà. Donc regardez ici. Shit. J'ai l'impression de vous convaincre de quelque chose qui fonctionne pas, alors que basiquement je sais que ça fonctionne. C'est frustrant. Est-ce que c'est parce que l'électricité passe dans le... Oh là là. Là. Bon, je vais m'arrêter là, c'est ridicule. Basiquement, tout ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire ceci. Vous pouvez faire ceci. Ceci. Mais vous pouvez aussi simplement prendre comme ceci. Et du coup, ici, il suffirait de toucher et ça fonctionnerait. Si je fais ceci, soudainement, je peux cliquer ici, dans l'idée. Parce que ça conduit l'électricité, donc ça conduit l'électricité, donc ça va ici, donc ça vient là-bas. Donc ça touche ceci, qui lui est sensible à l'électricité, enfin pas à l'électricité, parce que c'est juste que les électrons peuvent passer de là à là. Donc du coup ça devient touchable, basiquement ça que je veux dire. C'est le stockage des électrons et le fait qu'ils bougent qui permet de détecter tout ça. Ça va là-bas. Et alors je regarde si j'ai ma bobine, parce que je trouve ça super intéressant et ça m'emmerde de ne pas la trouver. Donc ça finit sur la bobine si je la trouve, et on sort la bobine si bien. Enfin, que je peux vous montrer ça. Alors, pop, pop, pop. Si elle est pas là, c'est qu'elle est pas là. Pas grave. Alors, un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est ceci, si jamais vous êtes intéressé. Ça. Ceci, j'essaie de trouver où est-ce que ma caméra est. Ceci, c'est une petite pince croco qui permet en fait de brûler des câbles et de faire exploser des petites mèches de fusées explosives. C'est pour faire des feux d'artifice à distance. D'accord? Basiquement. Et en fait, ça, je peux faire tout un cours sur le sujet, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que vous pouvez voir que ça fait beaucoup de câbles, des câbles qui sont très longs. Et en fait, si vous voulez faire des projets qui vous coûtent pas cher, vous coupez ce câble-là ici, hop là, comme ceci, et vous coupez ici, comme ceci. Voilà. Dénudez le câble. Vous arrachez cette partie-ci, comme ceci. Voilà. Bon, ici, je vais les croiser les deux ensemble pour être sûr que là, ils se touchent l'un l'autre. Vous avez donc ceci qui touche ça, ceci qui vient par exemple toucher ceci ici, comme ça. D'accord. Et vous pouvez prendre votre câble jusqu'au bout de l'autre côté. Faites pareil. Hop, comme ceci. Voilà. Et vous touchez ici. Et ça devrait normalement servir. Ça devrait normalement fonctionner. Donc vous cliquez ici, ça clique là-bas, qui va là-bas, qui va là-bas, qui va là-bas. Alors, pour vous montrer que ça marche, je crois que je pourrais utiliser celui-là. Parce que celui-là, il est directement fonctionnel. Il est. Celui-là, il est raccordé à la pin qui se trouve ici. Et donc du coup, je sais bien qu'il va fonctionner, vu que c'est celui du micro-bit, qui est le même que celui qui est ici. Hein. Et donc en fait, si je viens et que je fais ceci, ceci, voilà, allez, temporaire, hein. Voilà.
Ici, je touche. D'ailleurs, ça marche pas, évidemment. Et ben, il va falloir que je retravaille mon sujet. Hein. Il y a quelque chose qui, à mon avis, dans mon code, fonctionne pas pour le moment. Il y a un truc qu'à mon avis, j'ai pas compris dans mon code et qui fait que tout foire. Donc là, j'ai redémarré l'appareil juste pour être sûr. Je touche, ça fait une action. Pourquoi? Ok, je vais aller réviser mon code parce que là, j'ai de plus en plus de sentiments que c'est mon code qui cloche. Et pas... Je vais faire un truc, je vais essayer quelque chose, je reviens. Prendre le call. Je vais mettre en commentaire le fait de lire les données. Oui. Voilà. Ok. Je prends ce câble-là, je le lis ici. Comme ceci. Ah. Ça, c'est pas cool. Alors, je vais essayer autre chose. Et en fait, je fais des tests en même temps, hein, parce que dans la théorie, ça devait fonctionner, et dans la pratique, c'est en train de déconner. Du coup, je fais des tests pour vérifier que je dis pas de la merde. Hein. De toute façon, l'idée était là, hein, ce que je vous ai montré, ça marche, hein, mais je fais juste des tests en plus pour vérifier que j'ai fait un truc un peu plus long. Je l'ai raccordé ici. Je vais essayer de faire que ça touche pas un truc pour se laisser influencer. Bizarre, 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 bizarre. En fait, il semblerait que le câble stocke assez d'électricité. Non, c'est pas ça. Parce que le changement ferait que... Est-ce que c'est parce qu'il touche l'autre? Non. Bon. Bizarre. Hop, il retourne à zéro. Ok, donc est-ce que le câble peut pas être trop long pour que ça fonctionne? C'est chiant ça. Ça c'est pas idéal du tout. En fait, quand j'avais fait le mien, j'avais pas ce problème-là parce que je le faisais moi-même. Du coup, je pouvais gérer la résistance et donc du coup calibrer en fonction d'eux. Admettons que je vais utiliser celui qui est analogique. Donc, le analogique, c'est le numéro 2. Et c'est le numéro 2 et l'autre. Donc celui-là, c'est est-ce qu'on a touché ou pas. Ok, donc c'est le troisième. Si ici je prends ça, je fais ceci comme ça. Pas pratique du tout.
En soi, ça marche, hein. Je peux utiliser ça. C'est juste qu'en fait, ce qui me tracasse, c'est que le fait d'avoir un long câble le met à 1. Et là, évidemment, ça marche. Genre. Là, il touche. Dans la théorie, c'est ça que je voulais vous montrer. Dans la pratique, ça va demander un petit peu de travail de ma part pour vérifier que tout fonctionne bien et les conditions pour que ça fonctionne. Mais dans la théorie, et dans la... vous voyez que ici, donc à travers un câble qui est en soi quand même assez long. Hein. C'est. Vous voyez? Bon, tout ça pour vous dire. J'espère que vous avez apprécié. Que vous avez appris des choses, appris à lire des données, appris à utiliser un microbit, appris à avoir mis un HC065 dedans, donc ça ressemble à ceci. Voilà, d'ailleurs je vais peut-être terminer par ça. Ça, c'est l'HC05. Vous voyez que là, je l'ai débranché, donc il est plus pairé avec mon téléphone pour le moment. Enfin, il est pairé, mais il est plus connecté. Là, on a des données. On a ground, volt, text, RX, state. Nous, ce qui nous intéresse, c'est RX et TX qui soient sur la partie RX et TX là-bas. Vous voyez que du coup, il faut que je le mette dans ce sens-là. Pour que RX TX soit sur RX TX et que ground et volt soient sur ground et volt. Ici, en l'occurrence, ils ont directement bien pensé la chose parce que tous les HC05 se ressemblent, mais il faut vraiment faire gaffe de bien mettre les bons sur les bons. Le RX et TX, vous pouvez vous gré, mais pas le ground et le volt. Donc ici. J'ai mon appareil ici. Je vais brancher ça comme ceci pour le volt et sur le volt, le ground et sur le ground. Hop, voilà. Il commence à clignoter rouge. Ça veut dire qu'il est connecté. Je vais sur ma tablette. Hop. Ici. D'ailleurs, sur la tablette, je vais aller le retirer des listes pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Bluetooth, on active le Bluetooth. Arrêtez. Détail. HC05, le dissocier. Voilà. Donc admettons que vous êtes nouveau et que vous voulez utiliser le logiciel dont je vous ai parlé. Il faut aller dans Google Play Store, chercher après électrique, ici, Bluetooth, qu'est-ce que quand j'avais c'était? Électronique. Bluetooth électronique. Et ici, vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous l'ouvrez. Vous allez dans Connect. Classique parce que le HC06 c'est du classique. Le Bluetooth, c'est si vous avez acheté un qui émet pas de Bluetooth quand il n'est pas utilisé. Très peu de Bluetooth. Il est pratique, mais il est plus cher et c'est plus des téléphones qu'on va connecter de cette manière-là. USB, dans la théorie, vous pourriez le brancher sur votre tablette ou sur votre truc, mais je l'utilise pas. Dans la théorie, vous pourriez brancher en USB sur votre tablette. Next. Découvrir. On voit que ici, il y a plusieurs appareils. Il y a mon Echo, il y a mon ordinateur, etc. Moi, ce que je veux, c'est ma puce. Donc, je vais faire pair. Voilà. Il me dit, c'est quoi le mot de passe? Alors, si vous l'avez pas changé, ça veut dire qu'il soit à 000, soit à 1, 2, 3, 4. Je sais que c'est à 2, 3, 4, mais pour vous montrer l'erreur, je vais mettre 0, 0. Je fais associer. Il va me dire, ça ne marche pas. Donc découvrir, HC05, pairer, 1, 2, 3, 4, associer. Et vu que je l'ai laissé au mot de passe par défaut, il est pairé. Donc pairé, ça veut dire que votre téléphone le connaît. Et c'est se connecter avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il est connecté, ça veut dire qu'il pourrait être connecté. Donc maintenant qu'il est des appareils sur lesquels je peux me connecter, je vais sélectionner le HC05 et je vais demander de me connecter.
Je vais faire connecter. Voilà, je suis connecté et ça c'est l'ID de mon appareil. Je vais dedans, je fais run et c'est parti. Je vais pouvoir utiliser mon appareil. Ouh, magnifique. Ta-ta-ta-ta-da. Vous voyez que ici ce qu'il fait lui pour envoyer c'est il envoie des données. Donc ici c'est 0 et 100%. Donc là c'est 0, 0, là c'est 100 et 100. Donc on a des données qui peuvent être envoyées de là à là. Ici. Waouh! Trop cool! Et tout ça, du coup, c'est envoyé sur mon appareil. Si je clique sur mon appareil, on a toujours les données. Et je vais finir par ça. Sur ce, passez un bon moment. À la prochaine. La vidéo est beaucoup plus longue que prévu parce que j'ai galéré sur le fait de vous montrer que ça marche. Et sur la fin, mais j'espère que ça vous aura été utile. Que le code soit avec vous, à la prochaine et amusez-vous à bidouiller. Ciao, ciao!